Sois avec nous, Dieu Tout-Puissant. Nous t'en prions, sois avec nous. Toi qui donnes toute grâce, qui distribues les charges et répartis les divers ordres. Toi, le Dieu éternel, qui fait toutes choses nouvelles, qui veille sur le monde avec amour et dispose à tout moment ce qui convient. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, ta parole vivante, ta force et ta sagesse. Tu construis ton Église, qui est le corps du Christ, par les dons infiniment variés de ta grâce. Tu veux que chacun de ses membres ait une fonction particulière et que tous contribuent par l'Esprit Saint à l'unité de cet ensemble admirable. Pour la faire grandir en un temple nouveau, tu as établi des ministres des trois ordres différents, les évêques, les prêtres et les diacres, chargés les uns et les autres de te servir. Comme autrefois déjà dans la première alliance, tu avais mis à part les fils de la tribu de Lévi pour le service de ta demeure. C'est ainsi qu'au premier temps de ton Église, les apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté à la prière et à l'annonce de la parole, ont choisi sous l'action de l'Esprit Saint cet homme estimé de tous qui les aiderait dans le service quotidien, en leur imposant les mains et en priant sur eux, et les chargent d'une part, et les chargèrent d'une part de ce service, le ministère des tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'ils soient fortifiés dès cette don de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques. Qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient un modèle pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conduite pure, qu'il demeure ferme et inébranlable dans le Christ. En imitant ainsi ton Fils Jésus-Christ, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. La vêture. C'est le moment de la remise de l'étole, symbole de la charge diaconale. Que ceux qui ont été choisis pour habiller nos frères s'avancent de l'autel.
un chant. Nae sengonyoso maboko maboko maboko. Le curé de Kingwari. Maboko. Pas de photographe devant le cœur, s'il vous plaît. Remise de l'évangiliaire. En recevant l'évangile, le diacre doit conformer sa vie à la parole qu'il annonce au monde. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer.